montrer comment installer des jeux sur votre iPod. Premièrement, il faut que ce soit jailbreaké, ben sinon ça ne marchera pas. Alors, c'est facile, au début, vous allez aller sur Cydia. Moi, je suis déjà dessus parce que ça ne me tentait pas de la recharger. Puis, vous allez aller dans Gérer Source. Ensuite, vous allez aller sur Modifier, Ajouter. Et là, comme vous pouvez voir, vous allez écrire la source suivante qui va être dans la description. Vous allez marquer Cydia. Point aculo point us. Ensuite, vous pèsez sur ajouter la source. Ça va marquer ça ici, vérification. Là, ici, ben, vous allez voir, c'est n'importe quoi, c'est marqué This repository has been reported by the community to be illegally distributing copyrighted works. Bon, dans le fond, c'est juste que ça a été distribué des informations. En tout cas, vous ignorez ça, vous pouvez ajouter quand même. Là, ici, ça va charger. Vous attendez un peu, là, pour voir si ça, c'est exact. Bon, c'est pas long, ça fait un peu avancer un peu la vidéo. Vous allez perdre moins de temps. Bon. Alors ensuite, vous allez appuyer sur Retour à Cydia. Là, vous allez aller sur Rechercher. Vous allez se rechercher et ensuite vous allez marquer Instalus. I N c'est I N S S S non attendez I N S T A L L O U S. Et là, vous allez arriver à ça ici. Alors, vous passez dessus. Et ensuite, vous allez faire installer. Et justement, ici. Alors, vous passez dessus. Et là, vous faites confirmer ici. Alors là, ben, ça va charger encore. On va installer tout ce que vous avez besoin pour cette application-là. En tout cas, ça vaut vraiment la peine d'installer ça parce que vous pouvez avoir toutes les applications ou presque toutes les applications connues de iTunes. L'application qui va être la peine d'être installée. Là, vous attendez que ça calcule. Puis, ce sera censé vous donner, genre, que moi j'ai plein d'installations déjà faites. Si vous pouvez voir, là, j'ai plein de jeux déjà installés. Bon. Ensuite, quand ça va être fini, vous allez marquer que ça va être fini. Alors, là, vous passez sur Retour à Cydia. Là, vous retournez au menu. Là, vous allez voir qu'il y a une nouvelle application juste ici. C'est un Installer. Vous passez dessus. Vous allez arriver ici. Vous allez attendre que ça charge un peu. Bon, là, vous êtes arrivé. Là, ben, soit que vous allez dans Browse US Apps, ou ben, si vous savez déjà c'est quoi votre application, ben, vous allez dans Search, juste en haut ici.
et vous marquez qu'est-ce que vous voulez. Je prends un exemple. Je vais marquer call of you. Là, vous cherchez qu'est-ce que vous voulez. Il y aura plusieurs trucs qui vont correspondre. Donc, vous allez trouver ici Call of Duty World at War, la zombie, qui est d'ailleurs un très bon jeu. Là, ici, vous allez voir toute la description. Si vous allez là, ben, si vous ne connaissez pas les jeux, ben, vous allez juste regarder ici, il y a des screenshots. Là, vous pouvez juste sur Download, qui est juste ici. Là, vous allez avoir quelques sources en bas. Moi, je vous conseillerais de prendre les premières, genre en haut, parce que c'est plus des nouvelles versions. Là, vous prenez ça, mettons celui-là. Ça, ça va changer. Puis, par rapport au site internet, ça va vous dire quoi faire. Comme site, là. Ça, vous pouvez voir, regarde. Ça va vous dire de marquer des chiffres. Puis, vous pouvez sur ton mot d'après. Je vais le faire. Pour vérifier que ce soit pas des virus qui rentrent dans leur programme. Il y a tout l'autre. Non? Alors là, ça va charger un petit peu encore. Vous allez voir en haut. Ça va charger. Attendez un peu. C'est abonné. Bon, en fait, là, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps parce que faut que votre download se génère. Oh, regardez ici, je l'ai. Bon, là, c'est marqué Download Install. Alors là, vous allez peser sur Download. Et après ça, ben, pesez pas sur Install, pesez juste sur Download. Là, ça va charger comme ça. Puis après que ça est fini, ben, ça peut prendre quand même un peu de temps, ça dépend du jeu. Quand ça va être fini, je vais vous revenir puis je vais vous montrer après les résultats. Bon, je suis de retour. Alors après ça, quand votre download va être fini, vous allez à la page en bas, download. Vous allez voir votre download site. Alors c'est facile, vous allez juste à peser dessus. Là, je vais vous marquer en bas, install. Alors, vous pesez sur install. Ça va tout faire un espèce de calcul en bas. Quand ça va être fini, ben, vous pesez sur edit. Là, vous supprimez ça parce que vous n'avez plus de besoin. Allez. Ouais, il va disparaître. Vous n'aurez plus. Là, ben, quand vous allez au menu, que voyons-nous exactement? Regardez-moi ça. C'est quoi qu'on voit ici? Alors là, pour vous montrer que ça marche, je vais essayer. Alors, ça se peut que des fois, quand vous pognez des jeux, là, à cause qu'ils sont craqués, là, il y en a qui bug, puis il y en a qui marchent pas, fait que, moi, je vous garantis rien, c'est pas moi qui les ai craqués les jeux, là, mais, il y en a qui marchent pas. Mais lui, à la date, tous les jeux que j'ai pognés, là, j'en ai peut-être pogné une vingtaine, là, ils marchent tous, là. Regardez bien. On est dans ces gars-là. Regardez bien. Moi, je vous dis, il y a plein de vidéos, là, des downloads, là, en ligne, là. Prenez jamais ça. Prenez des downloads sur votre iPod, parce que votre iPod, là, ça transférera pas sur votre ordi, fait que vous aurez pas de problème avec ça. Tandis que là, si votre ordi, là, si vous restaurez tout votre ordi à cause d'un maudit virus de cul, là, c'est normal. En fait, là, il fait, tu vas garder. On vous dit, c'est pas facile, là. Je vais vous mettre à l'envers. Ouais, ça marche.
Bon, alors, c'était tout à l'heure comment faire des jeux vidéo sur iPod Touch. Si vous avez des questions, venez jusqu'à me renvoyer un message. Ou contacter si vous voulez. Alors, ça ne me dérange pas d'avoir des questions. Si vous avez des commentaires ou des questions, comment jailbreaker iPod aussi, je peux avoir des questions. Avoir des réponses pour vous, je vais me contacter. Alors, c'est ça.